Salut à tous, c'est White Zark et aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo qui sera pour vous présenter mes nouvelles créations Flimo. Voilà, alors comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ce style de vidéo, et ben il y en a quand même beaucoup, donc je les ai comptés, il y en a 33. C'est quand même pas mal comme nombre. Je vais vous les présenter dans cette vidéo. Avant de commencer, je voulais m'excuser parce que je crois que la luminosité est pas terrible du tout. Voilà, et donc je vais vous expliquer pourquoi il y a cette luminosité nulle. C'est à cause de ça. Voilà. Hop. Donc vous pouvez constater, hein, la couleur du ciel de chez moi est absolument sublime. Et en plus il pleut. Vous ne verrez rien, mais il pleut. Voilà l'explication de cette luminosité pourrie. J'espère que ce sera pas trop gênant. Et puis j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, que vous allez aimer mes créations. Et puis voilà, on va tout de suite commencer. Alors, je vais aller assez vite, hein, sur les créations pour éviter que la vidéo dure trop de temps. Alors, en premier, donc, je vous présente cette création. Je l'avais présentée au concours d'Apple Filmo. C'est mon muffin Scooby-Doo. La base, le haut. Que j'avais réalisé sans tuto. J'ai également fait, un petit biscuit. Ça a été fait sur le tuto de Miss Creative. Miss Creative, elle l'a pas fait dans son tuto, mais moi je l'ai texturé. Dans la tige à œil, j'ai incrusté des perles. Il y en a deux qui sont beige marbré de brun. Et il y en a une rouge pour rappeler les petits boutons ici. Je l'ai fait assez récemment celui-là. Ensuite, j'ai fait un blueberry cake sur le tuto de I Love Flimo 44. La part elle est collée parce que sinon je pouvais pas mettre de tige à œil. Sinon c'est texturé à l'intérieur. Blueberry cake sur le tuto de I Love Flimo 44. Ensuite, j'ai fait, ça c'était chez une amie, j'ai fait un BN à la fraise. Il est plus petit que l'autre, hein, que j'avais fait. Tout simple, hein, mais ça va, je le trouve quand même plutôt joli. Après, j'ai fait une création que j'avais présentée au concours d'Apple Filmo, c'est ma Charlotte aux fruits, qui a été faite sur le tuto de l'écréa de Bibi. C'est de la pâte beurre en dessous, en fait, hein, parce que comme la création n'est pas montée, on la pose comme ça, et du coup, on voit pas le dessous, J'ai fait un cookie. Il est pas terrible, hein, mais pour un premier cookie, ça va. Sinon il est texturé. Je l'ai fait en partie sur le tuto de Miss Creative. On continue. Après j'ai également fait pareil que vous avez vu au concours d'Apple Filmo. C'est mon muffin Corilacuma. Que j'ai réalisé sur le tuto de l'écréa de Bibi. Ensuite, il y avait également, toujours pour le concours d'Apple Filmo, j'avais fait un cupcake mini. Avec la base et le nœud de la même couleur, donc framboise. J'avais fait cette création sans tuto. Ensuite, j'ai également fait, toujours pour le concours d'Apple Filmo, c'était un donut gentleman. Je l'avais fait sans tuto, mais je m'étais inspirée de spa finlandais. Avec le glaçage et tout. Ensuite, j'ai fait également, que j'avais présenté au concours d'Apple Filmo, c'est mon petit lutin que j'adore. Je lui ai rajouté une bouche. Je le trouve encore plus mignon comme ça. C'était inspiré de Debbie Hearts. Une Chibi Lady Gaga, que j'avais présentée au concours d'Apple Filmo. Elle ressemble pas trop à Lady Gaga, mais bon, je l'aime bien quand même. Que j'avais réalisé sur le tuto de Bifimo Création. Ça c'est une création un peu particulière, c'est ça. À première vue, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? C'est une spécialité portugaise. Ça s'appelle un pastéis de nata. J'ai pas l'accent, mais voilà. C'est une pâtisserie, avec
de l'espèce de pâte feuilletée autour et une crème à l'intérieur. Donc j'ai essayé de la faire, donc j'ai texturé sur les côtés. Voilà, mais en fait le problème c'est qu'au-dessus, on voit pas la différence entre la crème et le feuilletage. Du coup, c'est pas terrible. Voilà, sinon il y a bien l'effet cuit et tout. Mais je trouve que même s'il n'est pas très ressemblant, il est bien texturé, je trouve. Donc voilà, donc je l'ai fait sans tuto, ça du coup. Hein. Donc voilà pour cette création assez originale. Donc on continue. Alors ensuite, donc cette création, donc c'est un macaron. Voilà, donc avec l'intérieur rouge et au-dessus, en fait, j'ai fait une décoration avec un smiley. Voilà, donc avec un coulis rouge, hein, donc j'ai fait avec de la fimo liquide plus de la fimo dure. Et donc, alors attendez, je vais essayer de vous montrer, mais il est fluorescent. Attendez, hop. Voilà, peut-être que vous voyez un petit peu là. Voilà, mais j'ai fait les coques avec de la pâte fluorescente. Donc voilà. Donc là, avant, j'avais accroché une tige à œil, hein, mais elle s'est barrée. Donc, donc voilà. Donc je l'avais faite sans tuto, hein, cette création. Après, donc c'est un autre macaron que j'avais fait chez une amie, donc chez la même fille que le BN. Donc voilà. Donc c'est des couleurs que j'ai pas en fait, hein. Là, c'est un bleu numéro 374 et à l'intérieur, c'est du lilas. Voilà, donc il est assez joli, je trouve. Il est bien texturé. Hop, voilà, macaron. Ensuite, donc, bah, on va continuer avec les macarons. Hein. Donc, il y a un macaron comme ça. Donc, voilà, donc mandarine autour et limone dedans. Voilà. Donc, maintenant, mes macarons, je les fais sans tuto hein, parce que j'ai compris la technique. Hein. Et. Dans le même esprit, on va dire, framboise et rosée. Oh là là, je vais tout tomber aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, donc, j'ai fait également un Oreo. Donc je l'ai fait sans tuto, lui aussi. Hein. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, hein, mais il y a bien le dessin d'un Oreo dessus. Parce que je me suis fait un moule, voilà, donc avec l'intérieur blanc. Hop. Voilà mon Oreo, je l'aime bien. Après, donc c'est une création que j'ai fait chez une amie. C'est un Twix. Donc j'en ai refait un et je trouve qu'il est mieux celui-là. Voilà, donc il y a toujours l'effet du cure-dent au-dessus. Hein. Voilà, et à l'intérieur, c'est texturé. Voilà. Donc je l'ai fait sans tuto. Hein. Donc voilà pour le Twix. Ensuite, donc j'ai fait cette création, donc elle est assez bizarre. Hein. Donc c'est sur une assiette que j'ai faite en fimo, hein, tout simplement. Voilà. Donc c'est un espèce de gâteau avec un cœur coulant au chocolat. Voilà. Donc en fait le coulis, c'est un coulis que j'ai acheté. Et en fait le problème c'est que je l'ai mis avant la cuisson. Du coup il est tout mou. Je devais le mettre après normalement. Voilà. Mais j'ai gaffé, je l'ai mis avant, du coup il est tout mou. Donc c'est un peu bizarre. Et donc j'ai mis des tranches de canne gâteau roulé dedans. Enfin, c'est une créa, on peut dire, extrêmement bizarre. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc ma première glace. Ouais, franchement, bon, pour une première glace, ça va, mais elle est pas terrible. Hein. Voilà. Donc j'ai fait la boule de glace en rosé avec un coulis rouge dessus. Enfin, bon. Je peux faire mieux, je pense. Après, j'ai fait, donc toujours chez mon ami, j'ai fait un Kinder. Voilà, donc j'en avais déjà fait un avant et celui-là il est beaucoup mieux, je trouve. Il est bien blanc dedans. Après, j'ai fait cette crêpe. Voilà, donc je vais pas dire qu'elle est réaliste, mais voilà quoi. Donc elle a l'effet cuit, elle est texturée, hein, vous voyez là. Et au-dessus, avec un coulis rouge, j'ai fait des décos. Donc là, j'ai fait un smiley. J'adore les smileys comme ça. Et là, avec un coulis, j'ai mis une petite tranche de canne fraise. Donc ici, normalement, il y avait une tranche de canne fleur, mais elle est partie. Donc, enfin voilà. Ça va, je l'aime bien quand même. Donc, je l'ai faite sans tuto. Après, donc, on reste dans l'ambiance des crêpes. Donc j'ai fait cette galette complète sur le tuto de Little Muffin 00. Mais le problème c'est que j'ai complètement raté la couleur de la pâte, enfin de la crêpe. En fait elle est grise, vous voyez? Hop, donc c'est complètement moche, mais bon, voilà. Hein. Et l'intérieur ça va, donc il y a l'œuf au plat avec le fromage râpé et puis le jambon. Voilà.
Après, alors cette création, je sais pas si je vous l'avais déjà présentée ou pas, mais bon, je la montre quand même. Donc c'est ce petit donut. Voilà, donc... Oh là là, mais je fais tout tomber, c'est pas possible. Voilà, donc avec le glaçage caramel avec des petites pépites de chocolat dessus. Donc il est croqué, ça va. Je le trouve super mignon. Donc voilà. Après, donc j'ai fait... Alors ça, c'était une création que j'avais faite pour Halloween. Donc c'était un petit fantôme. Donc je l'ai fait sur le tuto de Fimotine. Alors lui, pareil, je pense que vous verrez pas, hein, mais il est fluorescent. Attendez. Non, vous allez pas voir, mais bon... Voilà, petit fantôme fluorescent. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai mon donut Mario. Donc, oh là là, mais c'est pas vrai. Mon donut Mario du tuto. Voilà, donc pour savoir comment faire ce donut, allez voir mon tuto. Youp. Après, alors ça c'est un truc bizarre. C'est censé être une assiette de spaghetti bolognaise. Elle me fait trop rire cette création. Donc je l'ai faite sur le tuto de Delice Fimo de l'eau. Donc avec les spaghettis, la sauce, les petites boulettes de viande. Bon, elle est un petit peu bizarroïde, hein. Mais bon, elle me fait rire. Ensuite, donc que j'avais présenté au concours d'Apple Fimo, c'est un mignon de Moi Moche et Méchant. Donc fait sur le tuto de Fimotine. Ensuite, toujours pour le concours d'Apple Fimo, j'avais fait cette tourte aux pommes que j'aime beaucoup. Voilà, donc que j'avais faite sur le tuto d'Emily Yumi. Voilà. Donc qui est bien texturée avec l'effet cuit. Et dedans, il y a des pommes et du caramel. Donc en fait, le caramel, je l'ai fait avec de la Fimo liquide et des pastels. Mais là, comme la luminosité est pas terrible, vous n'allez pas voir. Voilà. Hop. Et après, que j'avais aussi présenté au concours d'Apple Fimo, c'est ce plateau de mangue. Voilà, donc je suis dégoûtée, le petit couteau il s'est enlevé. Voilà, donc normalement il était là, comme ça. Donc voilà. Voilà, donc avec de l'herbe, donc qui est bien texturé. Voilà, la mangue qui est colorée au pastel avec des petites tranches de canne-fleur là. Voilà, donc j'aime bien cette création, je l'ai faite sur le tuto de Little Muffin 00. Donc c'est une création qui rappelle l'été, je trouve, hein. Même si on est en novembre. Donc on va continuer. Alors après, donc j'ai fait cette création. Donc en fait c'est un muffin comme ceci, donc avec un cœur coulant au chocolat. Donc là le coulis il est encore en train de sécher. Hein. Vous voyez, il est pas complètement sec, il brille et tout. Voilà, donc il va encore sécher pendant quelques heures. Voilà, donc hop. Donc je l'ai fait avec un moule, hein. Donc il est texturé avec l'effet cuit, hein. Mais bon, vous verrez pas. Voilà. Je l'aime beaucoup lui aussi, je le trouve très joli. Et après, donc on va finir avec mes deux pizzas. Donc, alors, donc la première c'était celle-là. Moi je l'aime pas trop. Voilà, surtout quand je vois celle que j'ai faite après, quoi. Et en plus, en fait, là, quand j'ai mis la tige à œil, en fait... Là, elle était ressortie. Du coup, j'avais voulu mettre un petit bout de pâte pour le cacher. Et du coup, j'ai dû appuyer. Et du coup, ça a fait que là, c'est tout aplati maintenant. Donc, c'était tout moche. voilà. Et donc, la nouvelle. Alors, c'est ma... en fait, c'est ma toute première création Fimo montée. Voilà, donc c'est sur un strap rouge. Et donc, j'ai mis aussi une petite breloque part de pizza. Et donc, voilà ma pizza. Donc, oh là, mais... Oh là, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc voilà. Je la trouve super belle. Donc je l'ai faite sur le tuto de Miss Lolo Créative. Donc hop, avec le fromage, la sauce tomate, les olives, le jambon, les champignons et du poivre un peu. Voilà. Donc elle est texturée avec l'effet cuit. Hein. On voit bien là. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Super jolie, je trouve. Et donc voilà pour les pizzas. Et voilà aussi pour cette vidéo. Voilà, donc je vous ai présenté toutes mes nouvelles créations Fimo. Donc j'espère vraiment qu'elles vous ont plu. Voilà, donc là comme vous avez pu le remarquer, je viens d'enchaîner 3 vidéos sur la Fimo. Donc c'était mon tag pile ou face version Fimo avec ma cousine, ma participation au concours d'Apple Fimo ainsi que cette vidéo là. Et donc les 3 prochaines seront sur les Schlèches normalement. Donc il y aura les résultats du concours. Il y aura également, si jamais il y a une petite éclaircie et qu'il fait beau,
Je tournerai certainement l'épisode 7 de Landalouve. Et il y aura également une vidéo sur mon centre équestre. Voilà, parce que j'ai apporté des changements, des nouveautés, machin, truc fait. Donc vous verrez bien dans la vidéo. Et ben voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous fais de très gros bisous et à bientôt. Salut !